Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler des codes de parrainage sur SWTOR. La vidéo sera divisée en trois parties, qu'est-ce que le lien de parrainage, les conditions d'éligibilité et les arnaques et la prévention. Donc le lien de parrainage a été pensé comme un outil permettant de récompenser les joueurs abonnés à SWTOR et leurs amis. Au contraire d'un code créateur sur Fortnite où seulement le créateur est récompensé, la personne cliquant sur le lien de parrainage obtiendra des items et le parrain également. C'est typiquement fait pour que vous rameniez vos amis sur le jeu et que vous leur filiez votre lien de parrainage pour qu'ils s'abonnent par la suite. Il faut savoir que chaque joueur abonné possède son propre lien de parrainage. Vous pouvez le trouver dans la section parrainer un ami sur le site de SWTOR. Lorsque vous parrainez un ami sur SWTOR et qu'il s'abonne par la suite ou qu'il est déjà abonné, vous recevrez des pièces du cartel et des items exclusifs en jeu, ce qui est vraiment sympathique. Nous passons maintenant aux conditions d'éligibilité. Donc il y a trois types de personnes qui peuvent cliquer sur le lien de parrainage. Les personnes n'ayant pas de compte SWTOR et qui se créent leur compte en utilisant votre lien. Les personnes qui ont été abonnées dans le passé et qui ne le sont plus depuis au moins 90 jours. Et les personnes abonnées à SWTOR. En fonction de votre statut, vous recevrez des récompenses différentes. Un joueur qui se crée son compte en utilisant votre lien recevra le lot de départ express, contenant un laissez-passer d'urgence pour la flotte de sa faction, 5 boosts mineurs d'expérience, et un déverrouillage de modules d'inventaire. Une personne qui a déjà été abonnée et qui ne l'est plus depuis 3 mois recevra une semaine d'abonnement gratuite, un déverrouillage de modules d'inventaire, un emplacement de compétences d'équipage supplémentaire, une commande permettant d'afficher les titres, une commande permettant d'unifier les couleurs de vos tenues, et le plus important, un transfert de personnages gratuit d'un serveur à l'autre d'une valeur de 1000 pièces du cartel. Si vous cliquez sur un lien de parrainage, vous pouvez très bien transférer un personnage de The Leviathan à Darth Malgus gratuitement par exemple. Un joueur abonné qui clique sur un lien de parrainage recevra la même chose que le joueur qui n'est plus abonné depuis 90 jours et disposera donc d'une semaine d'abonnement supplémentaire, ce qui est quand même assez pratique. Il faut savoir qu'un joueur abonné peut cliquer tous les 3 mois sur un lien de parrainage et vous pouvez donc obtenir une semaine d'abonnement gratuite tous les 3 mois. Nous allons voir maintenant les récompenses que reçoit le parrain. Si une des personnes qui a cliqué sur votre lien de parrainage s'abonne dans les 14 jours suivant le cliquage du lien, alors vous recevrez 600 pièces du cartel et un speeder de l'Alliance Kurtob, qui est un speeder exclusif obtenable seulement grâce au lien de parrainage. Découvrez le speeder Alliance Kurtob, accord parfait entre design et technologie de pointe. Alliance Kurtob, un speeder incontournable pour vous et vos amis. Pilotage de speeder niveau 1 requis, offre soumise à condition, consultez votre revendeur. Vous recevrez 100 pièces du cartel par mois d'abonnement du joueur parrainé. Imaginons que vous parrainez un ami qui reste abonné à SWTOR pendant 3 mois, vous recevrez 600 pièces du cartel le premier mois, 100 le second et 100 le dernier, ce qui fait un total de 800 pièces sur les 3 mois. Si le joueur que vous parrainez a déjà été parrainé dans le passé, vous recevrez 100 pièces le premier mois, 100 le second et 100 le dernier. Si vous êtes abonné et que vous parrainez un second joueur qui s'abonne dans les 14 jours, vous recevrez les 600 pièces du cartel et cette fois non un speeder, mais un droïde de combat domestique. Il y a plusieurs conditions assez simples à remplir pour pouvoir parrainer, comme avoir activé la réception d'email ou d'être en cours d'abonnement lorsque vous parrainez un ami, ce qui semble plutôt logique. Si vous êtes un joueur privilège non abonné depuis 90 jours et que vous cliquez sur un lien de parrainage, même si vous avez une semaine d'abonnement gratuite, vous ne recevrez pas de pièces du cartel, comme les abonnés le font d'habitude. Et enfin, si un joueur qui est déjà abonné clique sur votre lien de parrainage, alors vous recevrez instantanément les pièces du cartel et le speeder en jeu. Nous passons désormais en partie 3 sur les dérivés du code de parrainage, où je vais vous montrer qu'il faut faire attention avec ce genre de lien. Déjà, il faut savoir que plusieurs youtubeurs de la communauté anglophone comme SWTOR TV ou Sotorista se sont fait leur beurre grâce au code de parrainage. Sotorista ayant presque 100 000 abonnés, vous imaginez bien que des centaines voire des milliers de personnes clique sur son lien de parrainage et qu'elle est donc extrêmement riche en pièces du cartel. Personnellement, pour être franc avec vous, j'ai aussi fait de la pub pour mon code de parrainage et ça a très bien marché puisqu'environ 300 personnes ont cliqué sur mon lien de parrainage et se sont abonnées, ce qui fait environ 180 000 pièces du cartel, ce qui est assez colossal. Je ne vous dis pas dans cette vidéo de cliquer sur mon lien de parrainage, c'est plus utile si vous le faites entre amis qui jouent à SWTOR, mais si jamais vous voulez me soutenir, mon lien est dans la description de cette vidéo. Que tu sois joueur free-to-play, privilège ou abonné, clique sur le lien dans la description. Cependant, il faut savoir que 600 pièces du cartel valent environ 5€ comme on le voit sur le site de SWTOR. Et donc certaines personnes vendent en jeu leur lien de parrainage contre des crédits.
Donc le prix actuel de vente de liens de parrainage contre des crédits est d'environ 7 voire 8 millions de crédits. Donc en général, il y aura des personnes sur la flotte de votre faction qui vont poster des messages pour dire qu'ils vous donnent X millions de crédits et en échange, vous devez être un joueur abonné qui clique sur le lien de parrainage du vendeur. Il recevra les pièces du cartel et vous donnera les crédits si tout se passe bien. Il faut bien faire attention aux arnaques, car certains joueurs vous promettent 10 millions de crédits en échange de cliquer sur leur lien de parrainage, alors qu'ils quittent le jeu dès que vous avez cliqué dessus. De plus, attention aux messages Discord. Donc j'ai déjà eu des soucis de personnes sur mon Discord précédent qui proposaient en message privé de cliquer sur un lien de parrainage sans avoir expliqué aux joueurs ce que c'était, et du coup certains joueurs se faisaient un petit peu arnaquer puisqu'ils cliquaient sur des liens de parrainage de personnes qu'ils ne connaissaient pas et voilà, ils leur donnaient 5€ gratos, un petit peu pour rien. Donc voilà, tout ça pour vous dire de ne pas cliquer sur le lien de parrainage de n'importe qui, parce que les pièces du cartel, c'est quand même une monnaie virtuelle achetable avec de l'argent réel, donc faut pas faire n'importe quoi avec. Donc c'était Envivius, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.